Bonsoir à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous nous retrouvons encore pour passer un moment dans la présence du Seigneur. Et avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prendre un verset ensemble. Alors, c'est dans Psaume 27, le verset 4. Psaume 27, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Alors, je demande une chose à Yahweh que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de Yahweh tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de Yahweh et pour admirer son temple. Car il me cachera dans son tabernacle au jour du malheur, il me tiendra caché sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Alors, j'avais à cœur de nous partager ce passage, tout simplement pour nous rappeler que, voilà, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier que la raison pour laquelle nous avons été créés, la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre et la raison pour laquelle nous existons, c'est uniquement pour demeurer auprès du Seigneur. Et j'aimerais nous encourager, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons passer, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, quelles que soient les difficultés auxquelles nous pouvons être soumis, que rien ni personne ne puisse nous empêcher de nous retrouver dans l'intimité avec le Seigneur, d'avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur. Car il est notre vie, il est notre source de vie, notre force lorsque ça ne va pas. Et voilà, que notre désir chaque jour de plus en plus, jusqu'au retour du Seigneur et jusqu'à dans l'éternité, que notre prière, notre désir puisse être de demeurer éternellement dans sa présence, dans sa maison. Bon voilà, que le Seigneur soit béni. Donc nous allons passer encore un moment dans la louange, dans l'adoration. Et voilà. Seigneur notre Dieu, je te prie Adonai que tu puisses Seigneur encore nous faire du bien Seigneur, que tu puisses encore conduire toutes choses, Seigneur, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, être le maître de ces instants encore, Seigneur. Je prie, Père de gloire, Seigneur, que tu puisses, Père, encore fortifier nos cœurs, que tu puisses encore, Père de gloire, nous accorder, Seigneur mon Dieu, mon roi, de saisir encore ce que tu veux nous donner, Père. Que tu puisses, Seigneur, simplement être le maître de ces moments. Je te dédie encore ces instants, je te dédie encore, Papa, tous les chants, Seigneur mon Dieu, qui vont être chantés, Père. Tu es ma vie, Seigneur, tu es mon oxygène, mon souffle de vie, Seigneur. Si je vis, c'est pour t'adorer, ce n'est que pour demeurer auprès de toi. Alléluia. Oh, oh. Attire-moi à toi, ne me laisse pas. Oui, Seigneur, je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Ah, oh, oh. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi.
Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Hey, oh, oh, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Tire mon cœur à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Jésus. Je veux tout abandonner, oh, 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 et restaurer notre amitié. Hey, tu es mon désir, oh, je le veux que toi, oh, 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 Jésus, rien ne peut te remplacer. Oh, 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 dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Hey, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, dans ta présence.
cruel. Garde-moi près de toi, près de ton cœur, près de ton cœur. Garde-moi près de toi. Ne me laisse pas, garde-moi, garde-moi.